Bonjour à tous et bienvenue dans cette quatrième vidéo. On est toujours encore sur le langage HTML. Donc aujourd'hui, nous allons voir les listes. On a deux types de listes en HTML. On a les listes non ordonnées et les listes ordonnées. Les listes non ordonnées sont des listes avec des petits puces. Donc comment on définit une liste non ordonnée? On va utiliser la balise UL et si vous utilisez la balise UL comme ça, vous allez voir que lorsque je vais actualiser, là on n'a rien parce qu'on n'a mis aucun élément de liste. Par contre, si je tente d'afficher le code source, vous voyez qu'on a la balise UL qui est là. Mais par contre, la balise UL est présente, mais la balise UL n'a aucun résultat. Donc, pour pouvoir afficher cette liste, on va utiliser la balise LI qui signifie liste item, élément de liste. Donc, on va mettre un élément. Le premier élément, on va mettre HTML. Je viens actualiser. Vous voyez HTML. Je fais la même chose. Je vais mettre un deuxième élément CSS. Ensuite, un troisième élément JavaScript. Je fais CTRL-C, CTRL-V pour dupliquer la ligne et PHP et MySQL. Voilà, donc je vais venir actualiser et vous voyez, on a carrément des listes avec des petits points. Maintenant, le deuxième type de liste, il s'agit des listes ordonnées. Donc, les listes ordonnées, on va plutôt utiliser la balise OL. Et puis, on va rajouter les mêmes éléments de liste. Donc, moi, je vais tout copier comme ça. Et lorsque j'actualise, vous voyez la différence entre la balise UL qui permet de mettre des petits points et la balise OL qui permet de mettre des numéros. Donc, HTML, vu que c'est le premier élément de la balise OL, on a le numéro 1. Le CSS, c'est le deuxième élément de la balise OL. Donc, numéro 2. JavaScript, numéro 3. PHP, numéro 4. Et MySQL, numéro 5. Donc, maintenant que vous saviez maintenant comment créer des listes, il est temps que nous apprenions un peu d'autres balises. Voilà. On va voir dans les prochaines vidéos l'utilisation de quelques balises et lorsque nous allons utiliser le langage CSS. Donc dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment lier notre feuille de style CSS à notre document HTML.